Quelle émotion de nous retrouver ici au Trocadéro, place de la victoire de 1918 finalement, avec la statue du maréchal au milieu. Zemmour lui fera face à partir de 14h au pupitre, hein, à la tribune, vous allez le voir. On n'a qu'une envie, c'est que le 10 avril, Éric Zemmour fasse un score le plus élevé possible, que les Français comprennent qu'il y a besoin de changement dans ce pays, évidemment, et vous l'attendez comme nous. Ah, c'est magnifique. C'est une ferveur à la fois un enthousiasme et une ferveur populaire inouïe. Vraiment, c'est très porteur, c'est très encourageant. C'est nous sommes dans le réel, nous avons raison et nous portons un véritable espoir dans le réel. Il y a une ferveur parce que les Français attendaient un homme sincère. C'est pas un politicien, Éric Zemmour. Il n'est pas dans un plan de carrière, il n'est pas en train de sauver une boutique politique. C'est autour de la culture qu'on peut se retrouver. Et avec ce lien, cet héritage chrétien qui est indispensable à reconnaître. Et aujourd'hui, la Pologne et la Hongrie qui veulent le faire reconnaître sont sanctionnés durement par Bruxelles. Parce que Bruxelles, c'est de faire disparaître les nations, de faire disparaître notre héritage commun. En gros, son programme vraiment sécurité, il est vraiment... il n'est pas loin de la perfection. Et si vraiment on arrivait à mettre ça en action, je pense que nos concitoyens se trouveraient vraiment plus en sécurité et aimeraient encore plus leur police. Parce qu'ils l'aiment, leur police. Ces drapeaux qui flottent, eh bien ils flottent partout. Et partout, il y aura un drapeau Z qui flottera sur notre territoire pour le 10 avril. Tout simplement, la Corse est aux côtés de la France lorsque la France est grande. Il y a un truc qui change dans ce pays, je le sens, enfin je ne sais pas si on le sent tous ou pas. Vraiment, les gens étaient heureux, je les trouvais heureux les gens donc. Quel plaisir d'être là avec tout le monde, voilà, c'est l'aboutissement d'un projet incroyable avant la plus belle victoire qui arrive le 24 avril prochain. C'est le plus grand rassemblement de la campagne présidentielle, c'est simple. On a créé le plus grand mouvement populaire, on est les plus puissants sur Internet, on fait le plus grand rassemblement et on va gagner.